J'oublie toujours de mettre le son. Bonjour à tout le monde. Merci de venir assister au 12e, au 11e webinaire de la STED, ma foi, en ce 2 octobre. Il faut que j'enlève le son de ma tablette. Bonjour Lionel. Voilà, on n'aura pas de réverbération. Alors, nous accueillons aujourd'hui Lionel Dujol, mais je vais commencer, même si presque tout le monde est présent, pour expliquer le fonctionnement du webinaire. Moi, c'est Fabrice Marcoux, chargé de projets spéciaux à la STED. Donc, on a eu 10 webinaires jusqu'à présent. Il en reste encore 5 environ d'ici le CPI, le Congrès des professionnels de l'information. Je vois qu'il y a plusieurs étudiants. Donc, bienvenue à vous dans la mesure où les webinaires sont pensés pour une formation continue. C'est bien qu'il y ait des jeunes qui présentent des nouveaux techniciens de documentation, bibliothécaires ou archivistes qui viennent déjà se mettre au courant de ce que ça signifie. Et par exemple, ici, les communs du savoir, c'est vraiment fondamental pour l'avenir. Donc, on vous encourage à continuer à suivre notre programme de formation. Je vais vous envoyer vers les liens. Je vais vous envoyer le lien vers le programme qui vient à la fin. Donc, est-ce que tu m'entends, Lionel? Oui, je t'entends très, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par partager. Oui, je t'entends très bien. C'est parfait. OK. Je n'ai pas beaucoup de lumière. Je suis désolé. Ça va. On n'en partit pas. Bon. C'est un peu un contre-jour, effectivement. Oui, alors, parce que si on est en fin de journée ici et mon bureau n'est pas situé tout à fait à côté de la fenêtre, mais bon. Ça va. On te voit quand même. Donc, vous voyez qu'on est rendu déjà à midi 12 et il faudra commencer bientôt, mais il y a quelques règles du jeu, entre guillemets, à suivre, c'est-à-dire que c'est un webinaire qui, pour l'instant, demeure un peu à sens unique. C'est le présentateur qui donne les informations. Vous avez la possibilité, tout au long de sa présentation, de poser des questions avec l'interface de Zoom en cliquant dans la case questions et réponses qui apparaîtra au bas de votre écran si vous faites glisser la flèche à cet endroit. Si c'est un Mac, c'est au haut de l'écran. Et on pourrait vous interroger sur ce que vous comprenez à la manière d'un petit quiz grâce au chat, à la conversation. Puis, vous pouvez éviter, s'il vous plaît, de lever la main pour ne pas interrompre le présentateur afin que ça soit facile de passer à travers tout ce qu'on a à voir, comme c'est assez vaste comme sujet. Et en fin de compte, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous les rédigez au fur et à mesure sur un document à part. Vous les copiez-collez dans l'interface de questions et réponses lorsque vous les jugez pertinentes. Et puis, s'il y en avait auxquelles on n'avait pas répondu à la fin, vous me les enverrez par courriel après que je vous ai envoyé le lien vers l'enregistrement vidéo, le PDF et le sondage pour lui donner du feedback sur votre expérience. Maintenant, je suppose que je vais présenter brièvement Lionel quand même. Je le nomme animateur tout de suite, il est donc engagé dans la réflexion sur le rôle des bibliothèques dans le partage des connaissances depuis longtemps en France. Et il a réussi à faire avancer les dossiers sur ce sujet, notamment à travers la publication d'ouvrages comme aux éditions Asted de médiation numérique des savoirs. Et si je ne me trompe pas, tu as écrit aussi un livre qui s'intitule « Commun du savoir ». Oui, c'est bien ça. Aux éditions du Cercle de la librairie. Je le montrerai en toute fin d'intervention parce qu'il reprend beaucoup de points que je vais évoquer à l'instant. Très bien, comme référence. Merci beaucoup. Et tu me permettras de partager quand même à nouveau un écran. C'est par rapport à votre réalisation à la bibliothèque de... C'est à la médiathèque de... Valence Roman Agglo. C'est un peu long. Et tu travailles à la direction lecture publique. Alors, moi, je suis à la direction de la lecture publique qui chapeaute les 14 bibliothèques de ce réseau. Et je suis en charge de tout ce qui est développement numérique et innovation des services. Voilà. Et sur le navigateur, ce qu'on voit en ce moment, c'est la page d'accueil. Et si on clique en bas à droite, on arrive sur le projet qui a été finalisé, qui est en progrès, qui est un début en même temps qu'une fin de l'empreinte.
dont tu pourras nous glisser un mot aussi, j'imagine. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, je vais en souffler deux mots pendant l'intervention. Il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est l'empreinte balance-romanaglo.fr. Donc, voilà. Alors, je te laisse la parole. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice. Je vais basculer sur la présentation. Hop. Voilà, tu me confirmes que vous voyez le PowerPoint actuellement? Non, s'il faut que tu ailles en dessous dans ton interface de Zoom, que tu cliques sur partager l'écran et que tu le sélectionnes à travers le bouton vert. Oui, j'en suis. Excuse-moi. OK. Alors, attends, je vais rebasculer sur Zoom. Voilà, excuse-moi. Hop. Hop. Voilà, excusez-moi pour ce petit hop, voilà, tout va Merci bien. Merci beaucoup. Super. Bon webinaire. Okay. Merci beaucoup, Fabrice. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de pouvoir partager cette grosse demi-heure avec vous pour évoquer cette question des communs du savoir et des professionnels, communs du savoir et professionnels de la formation, les liens possibles autour de cette question. Je suis désolé pour le contre-jour, la lumière n'est pas suffisamment. On est au mauvais moment ici en France puisque c'est la fin de la journée et on est entre deux. La lumière de mon bureau n'est pas suffisamment forte, peu importe. L'essentiel, c'est que vous voyez la présentation. Vous n'hésitez pas évidemment à me poser des questions en cours de route. J'essaierai d'avoir un œil sur ce que vous pourriez me poser comme question sur le petit module en question. Alors, je vous propose d'aborder cette problématique à travers trois questions relativement simples. On est bien d'accord qu'on va aborder cette question de manière très… vraiment, on va effleurer la problématique. On va d'abord se poser la question de savoir que sont les communs du savoir. On va essayer de définir ce que sont les communs. C'est une notion un peu abstraite et il me semble important de pouvoir de bien la définir. Ensuite, nous verrons quel lien existe-t-il entre les bibliothèques et les communs du savoir? Pourquoi les bibliothèques, finalement, veulent se positionner autour de cette problématique-là? Entendons bien, je parle de bibliothèque comme un terme générique, mais évidemment que derrière, c'est tous les professionnels de l'information qui sont, et de la documentation qui sont bien évidemment concernés. Et puis enfin, un troisième point, nous essaierons de voir quels sont les champs d'action possibles. Je ne vais pas pouvoir faire une liste exhaustive de la problématique, mais je vous donnerai ça à travers trois exemples assez simples, mais qui me paraissent assez évocateurs et de cette problématique. Alors, tout d'abord, on va essayer de se poser la question de que sont les communs du savoir. Et avant de parler des communs du savoir, il faut savoir ce que sont les communs, puisque la réflexion des communs du savoir est partie d'abord des communs. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de manière la plus concrète possible. Les communs, c'est trois choses. C'est une ressource qui est partagée, c'est une communauté qui à la fois profite de cette ressource mais qui en même temps aussi la gère, et c'est une gouvernance, c'est-à-dire cette communauté qui décide des règles qui vont organiser la gestion de cette ressource. Donc on va essayer de revoir ces trois points de manière très rapide et pour bien comprendre que lorsque l'on parle de commun, il y a ces trois axes indissociable. D'abord, les communs, c'est d'abord une ressource. Cette ressource, elle peut être matérielle ou immatérielle. Vous voyez sur la diapositive des exemples, des biens matériels, ça peut être une rivière, ça peut être des jardins urbains, ça peut être une voiture, pour aller vite. Et puis, il y a ce que l'on appelle aussi les ressources immatérielles, et le savoir, par exemple, en fait partie. Pour bien comprendre, quand on parle de ressources, on parle de bien commun. Un bien commun, ça veut dire que cette ressource n'a plus de, comment dirais-je, son usage n'est plus exclusivement réservé à une personne ou un groupe de personnes. Une ressource qui est un bien commun est une ressource qui est accessible à tout le monde.
prenons un exemple, je peux avoir une voiture qui est à moi et je décide que tous les jours, entre 19h et 23h, cette voiture est possible, on peut l'utiliser dans tout mon quartier. Ça veut donc dire qu'une ressource qui se définit comme un bien commun est donc une ressource qui perd de manière définitive ou de manière temporaire, selon son usage exclusif à une personne. Très bien. Donc, pour parler des communs, il faut qu'il y ait d'abord une ressource partagée sans qu'il y ait derrière une exclusivité d'usage à ce bien. Et on voit que ce bien commun peut être matériel ou immatériel. Ça, c'est le premier point. Pour parler de commun, il faut avoir une ressource qui se définit comme un bien commun. OK. Mais ça ne suffit pas. Pour qu'il y ait commun, il faut qu'il y ait une communauté autour de cette ressource, c'est-à-dire une communauté de personnes qui vont pouvoir profiter, avoir l'usufruit de ce bien et qui vont aussi gérer ce bien, décider des règles. Par exemple, si je décide que la voiture que je décide de mettre à la disposition de tous les habitants de mon quartier, eh bien, on va décider ensemble des règles. On va dire que ça sera chacun son tour, on mettra une règle pour dire qui la prend, comment on la ramène, etc. C'est pour ça qu'on parle de commun avec une ressource commune, plus d'exclusivité d'usage autour de ce bien, une communauté qui à la fois utilise la ressource, mais qui aussi décide des règles qui vont permettre de gérer cette ressource. C'est pour ça qu'on parle d'une gouvernance commune, et donc on va décider, comme vous montre ici, cette diapositive, on va décider que c'est toute la communauté qui peut l'utiliser, une part de la communauté, la ressource est limitée dans son usage ou illimitée, ça sera gratuit ou payant, on peut tout à fait décider qu'un bien commun, son accès soit payant, du moment où toutes ces règles ont été décidées de manière horizontale, de pair à pair, entre tous les membres de la communauté. Et ces règles, communauté, permet de protéger aussi la ressource d'éventuels risques, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de la privatiser, de quelqu'un, on parle de phénomène de passager clandestin, c'est-à-dire quelqu'un qui veut toujours profiter du bien, mais qui ne veut jamais participer à la gestion de cette ressource, ou aller vers des usages abusifs. Et on s'aperçoit que ce qui est très important lorsque l'on parle de commun, finalement, ce n'est pas la ressource qui est fondamentale, mais c'est surtout cette action collective qu'il y a autour de la ressource. Et on peut tout à fait avoir des biens communs qui ne sont pas des communs parce qu'il n'y a pas derrière cette communauté qui a une action collective autour de sa ressource. Donc, lorsque l'on parle des communs, c'est surtout la notion d'un bien commun, d'une communauté et de l'action collective qui est portée par cette communauté. Donc, ce qui est très important dans les communs, c'est plus l'action collective de la communauté que la ressource en elle-même. OK. Ça, c'est la notion des communs. Alors, on parle des communs du savoir parce que, tout simplement, le savoir est considéré de plus en plus, en tous les cas, comme un commun. C'est très ancien. Vous voyez ici cette citation de Thomas Jefferson qui dit, au final, lorsque j'ai une idée, lorsque je sais quelque chose, eh bien, si je transmets ce que je sais à quelqu'un d'autre, eh bien, je ne peux pas me séparer de ce que je sais. C'est l'image de la bougie. Hein, j'ai une flamme sous ma bougie, je décide d'allumer la flamme de mon voisin, il a une flamme, j'en ai une aussi, et on dit alors que le savoir a cette caractéristique que n'a pas les biens matériels, qui est d'être un bien non rival, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de me séparer de ce que j'ai pour le partager avec un autre. Et ça, c'est une des caractéristiques des biens immatériels, puisqu'il n'y a pas de rivalité entre les biens. Plus on l'utilise et plus, finalement, on enrichit le savoir. C'est pour ça qu'on dit que le savoir, il est non rival et il est additif. Plus je l'utilise et plus il s'enrichit. Et le numérique a été un accélérateur, évidemment, de cette caractéristique du savoir, puisque avec le numérique, on a démultiplié la possibilité de diffuser le savoir et on a démultiplié son caractère additif. Et donc, on voit bien
que l'un des communs du savoir les plus emblématiques aujourd'hui, c'est Wikipédia. On a une ressource, un bien commun qui est partagé, c'est l'encyclopédie. Il y a une communauté qui à la fois utilise l'encyclopédie et l'enrichit. Ça peut être deux cas différents. Il y a des règles qui ont été décidées par la communauté et cette communauté a établi des règles qui permettent de l'utiliser, donner les règles d'utilisation, de pouvoir exclure quand quelqu'un ne respecte pas les règles, etc. Le commun du savoir le plus emblématique, c'est Wikipédia. Et on est clairement dans un savoir qui est non rival. Nous utilisons tous l'encyclopédie sans s'en séparer lorsque l'un d'autre l'utilise. Il est additif. Plus nous l'utilisons, plus nous l'enrichissons. Et les règles sont bien établies par la communauté. Mais là où c'est intéressant, c'est que autant un jardin partagé comme un commun, il faut faire attention à son surexploitation. C'est-à-dire que si on l'utilise trop, on va épuiser la ressource. Alors que les communs immatériels et le savoir, ce n'est pas du tout le cas. Le risque d'un commun du savoir, c'est sa sous-utilisation. Puisqu'on a vu que plus il est utilisé, plus il s'enrichit. Moins on l'utilise, moins sa possibilité de s'enrichir diminue. D'où, ce qui est très important, c'est de veiller à ce qu'il ne soit pas sous-utilisé. Et c'est là où une notion très importante entre en compte, c'est que les communs du savoir sont extrêmement vulnérables et fragiles. On va prendre un exemple. Je vous reparlerai de cet ouvrage qui est un élément très important dans les communs du savoir, hein, qui est « Comprendre le savoir comme un commun ». Lorsque Charlotte Hess dit « L'idée de connaissance comme bien commun disparaît de plus en plus au jour d'aujourd'hui avec le numérique, parce que les savoirs sont impactés sous des formes numériques qui sont très vulnérables et qui sont enfermées dans des enclosures. » Je vais vous expliquer ce qu'est une enclosure. Donc, le numérique est une promesse d'une explosion des communs du savoir. Dans les faits, on s'aperçoit que le numérique a un effet inverse, qu'il a une tendance à enfermer les savoirs derrière des clôtures, d'où le terme d'enclosure, et ces enclosures peuvent être de différents types. Elles peuvent être juridiques, on met des droits qui nous interdisent de pouvoir utiliser telles ressources. Elles peuvent être économiques. Vous voulez accéder aux fruits de la recherche publique, bien vous voulez y accéder en ligne, vous devez certainement payer, avoir accès à un mur payant qui est une plateforme, Elsevier par exemple, pour pouvoir accéder à cette connaissance-là. Ou ça peut être des moyens techniques qui vont vous empêcher de pouvoir utiliser cette ressource. Et je vous montre ici un exemple d'un livre numérique. Évidemment, un livre papier, lorsque je l'ai, j'en fais ce que je veux. Je peux le donner, je peux le léguer, je peux l'annoter, je peux le découper en petits morceaux pour pouvoir mieux l'utiliser si je le souhaite. Un livre numérique, ce n'est pas possible parce qu'il y a à l'intérieur un DRM et donc vous ne pouvez plus copier. C'est pour ça qu'on parle d'acopie, alors que c'était un fondement même du partage des savoirs. N'oubliez pas qu'en imprimerie, il y avait les moines copieurs. Hein, le savoir était transmis par la copie. Évidemment qu'il ne s'agit pas de dire que le piratage est bien, non. Il s'agit de dire que la copie privée, dans un cadre personnel, était un élément fondamental de la transmission des savoirs. Avec les livres numériques, cette problématique-là de la copie devient réelle. On voit aussi un autre phénomène, je vais beaucoup vous en parler, qui s'appelle le copy fraude. Le copy fraude, c'est quelqu'un qui s'approprie un bien qui était commun pour dire « maintenant, il est à moi et j'ai établi les règles pour l'utiliser ». Cette diapositive vous montre deux tableaux qui sont aujourd'hui dans le domaine public. Donc, ils appartiennent à tous. C'est un bien commun. D'un côté, on voit, et c'est le Louvre qui a numérisé cette œuvre du domaine public, a mis dessus un copyright en indiquant « si vous voulez réutiliser cette œuvre qui est dans le domaine public, vous devez me demander l'autorisation ». Alors, par principe, si c'est dans le domaine public, il n'y a plus d'exclusivité d'exploitation de cette œuvre. Tout le monde peut tout à fait avoir accès et utiliser cette œuvre-là. Alors qu'à côté, on a une autre représentation du tableau d'Archimboldo notamment, et là elle est dans une licence proposée par ce musée qui est à Stockholm, libre de droit, disant c'est du domaine public, je l'ai numérisé, donc j'en donne accès au plus grand nombre. Dans le premier cas, on a une enclosure, dans le deuxième cas, on a un respect de ce qu'est un bien commun, même s'il a été numérisé. C'est pour cela que dans la notion des communs du savoir, il y a, David Bollier parle des communs du savoir sous garantie publique. Il explique que lorsque l'on touche des ressources communes qui sont de très grande échelle, le climat par exemple, les océans,
pour parler des biens matériels. Mais le savoir, c'est une immensité. Il est très difficile qu'une communauté puisse s'organiser derrière pour pouvoir essayer de le préserver. D'où il indique qu'il y a un rôle fondamental de la puissance publique. La puissance publique doit veiller à garantir à ce que les biens communs, le climat par exemple, mais aussi le savoir, restent bien un bien commun. Et dans ce cadre-là, il dit que la puissance publique doit, à travers des lois, doit à travers de l'investissement qu'elle va mettre dans des services publics, faire en sorte que ces biens communs du savoir restent des biens communs du savoir. Dans le cas précédent, le Louvre, qui est une institution publique, n'est pas garante des biens communs du savoir. Et dans l'autre cas, le musée de Stockholm l'est. C'est une puissance publique, une autorité publique qui décide de mettre ces éléments-là. Et donc, on voit bien le lien qu'il va y avoir avec une bibliothèque qui est un service public et qui peut jouer ce rôle de garante des communs du savoir. Mais la question qu'on peut se poser avant tout, c'est de se dire, mais est-ce que finalement une bibliothèque est un commun du savoir? On a vu que pour qu'il y ait commun du savoir, il faut qu'il y ait des ressources partagées. Une bibliothèque partage bien des ressources. Elle les retire de l'espace marchand pour les mettre à la disposition d'une collectivité. Elle a une communauté. Cette communauté sont ses usagers qui utilisent la bibliothèque et ses ressources. Et il y a une gouvernance. Sauf que les ressources ne sont pas des ressources communes, ce sont des ressources publiques. La communauté, certes, elle est bien là, mais ce n'est pas elle qui décide des règles qu'il y a dans la bibliothèque. Les règles de la bibliothèque ont été décidées par la tutelle qui en a l'administration. Donc, les bibliothèques publiques ne sont pas des communs du savoir. Néanmoins, ce sont des services publics qui gèrent des ressources collectives, dont certaines sont des biens communs. Lorsqu'on a du domaine public dans ces collections, eh bien, on a des biens communs qu'on met à disposition et on agit au nom de l'intérêt général. Mais il ne s'agit pas d'un commun du savoir puisque ce n'est pas la communauté qui décide des règles et que certains biens mis à disposition dans la bibliothèque sont des biens publics et non pas des biens communs. Alors, rappelez-vous, les biens communs, on renonce à une exploitation réservée, on renonce à un droit de propriété, pour aller très vite, propriété privée ou propriété publique, sur cette ressource. Par contre, il est fondamental de dire que les bibliothèques, elles ne sont pas des communs du savoir, elles ont un rôle fondamental à la fois pour garantir l'accès et pour garantir le développement de ces communs du savoir. Et c'est ce que l'on va voir dans un instant. Je vous montre cette photo. C'est les bibliothèques qu'il y avait dans Occupy Wall Street, qui étaient, elles, des vraies bibliothèques communes du savoir, puisque la bibliothèque, les ressources, la communauté étaient totalement gérées par une communauté qui décidait des règles. Les ouvrages étaient apportés par la communauté, les règles d'emprunt étaient décidées par la communauté, et ces biens étaient des personnes qui avaient cédé la propriété de ces ouvrages pour les mettre à la disposition de tous. Donc, les bibliothèques, comme des communs du savoir, ça existe, dans des cas très particuliers, mais la bibliothèque publique n'est pas en soi un commun du savoir. Néanmoins, elle a un réel rôle à jouer pour garantir l'accès et la préservation de ces communs du savoir. Alors, il y a un lien étroit malgré tout, au-delà de ce que je viens de vous expliquer, entre les communs du savoir et les bibliothèques, c'est les textes fondamentaux. Prenons la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 27 dit que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle. Prendre part, ce n'est pas le droit d'accéder librement à la vie culturelle, c'est de prendre part, c'est-à-dire c'est de pouvoir accéder à la culture, mais de pouvoir s'en nourrir pour pouvoir participer à la création de nouveaux savoirs. Et on voit bien que dans le fondement même des communs, il y a cette notion de communauté qui garantit la transmission des savoirs pour les générations futures aussi. Donc, déjà, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette notion des communs du savoir est perceptible. Si je prends le manifeste de l'UNESCO des bibliothèques publiques de 1994, il est indiqué que la bibliothèque est ce centre local qui met facilement, et j'insiste sur le terme de facilement, c'est-à-dire pas d'enclosure, qui met des règles qui facilitent l'accès à ses usagers et aux habitants aux connaissances de toutes sortes. Donc, on voit bien qu'il y a aussi cette notion que la mission d'une bibliothèque est d'essayer de transmettre et de garantir l'accès à ces communs du savoir. Et puis, l'IFLA, la déclaration de Lyon de 2014,
14, me semble-t-il, oui, c'est bien ça, qui indique que les bibliothèques doivent sans cesse veiller à améliorer l'accès à l'information et aux connaissances. Et lorsque l'on donne accès à des livres numériques qui ont des DRM, qui ont des verrous, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein, mais qui bloquent un tout petit peu l'appropriation, la manipulation de ce savoir sur des livres numériques, eh bien, si elle n'a qu'exclusivement cette ressource à proposer, elle n'améliore pas l'accès à l'information de manière plus générale. Il faut les deux, hein, évidemment, parce qu'on n'a pas, on ne décide pas de tout. Il faut veiller à ce que cet accès soit toujours facilité et amélioré. Et puis, je vous parle d'une charte que l'Association des bibliothécaires de France a mis en place il y a maintenant 3 ans. J'ai piloté la rédaction de cette charte et un des articles de cette charte dit bien que l'un des droits fondamentaux des usagers dans une bibliothèque est d'accéder, de réutiliser, de créer, de diffuser des communs du savoir. Tout cela pour vous indiquer que ce lien entre commun du savoir et bibliothèque est très étroit. La preuve, c'est que l'ouvrage qui a installer la notion des communs du savoir a été coécrit par Eleanor Ostrom, qui est prix Nobel d'économie en 2009 sur justement la notion des communs, et par Charlotte Hess, qui est une bibliothécaire. Ce qui démontre bien que dès le début de la réflexion des communs du savoir et des bibliothèques, le lien était là, puisque c'était une bibliothécaire qui a pensé ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis le début de cette intervention. Alors, regardons maintenant, tout ça est un peu abstrait, c'est des notions qui sont un peu complexes à comprendre. Allons vers du concret et regardons qu'est-ce qui est possible pour les bibliothèques de faire hein, comme action pour aller dans le sens des communs du savoir. Le premier, c'est tout bête, c'est de valoriser les communs du savoir et de les préserver. L'exemple le plus simple, c'est le domaine public. Je vous rappelle que le domaine public, c'est une œuvre qui, au terme d'une durée, 50 ans, je crois, pour le Québec, 70 ans pour la France, eh bien, cette œuvre s'élève dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de monopole dans l'exploitation de cette œuvre. N'importe qui peut utiliser cette œuvre. Et évidemment, lorsque cette œuvre est numérisée, eh bien, elle reste dans le domaine public et que ce qui est très important, c'est qu'une œuvre dans le domaine public numérisé doit rester dans le domaine public, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder et utiliser cette ressource sans demander une autorisation préalable, de la même manière que l'on peut en faire un usage tel qu'on l'entend, peut vendre. Nous achetons bien des ouvrages de Molière aujourd'hui, c'est dans le domaine public, c'est un éditeur qui a tout à fait le droit de prendre l'œuvre de Molière et de la vendre. Rien n'est interdit. Quand j'ai le site de la BNQ, qui numérise ici un plan de Montréal, je crois qu'il est du XVIIe siècle, il y a une petite flèche rouge qui vous indique que vous y avez accès, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le télécharger, c'est-à-dire que je peux m'approprier ce savoir-là. Ça, c'est un respect du domaine public, et une bibliothèque, là, améliore l'accès à cette ressource par sa numérisation et respecte la règle du domaine public, c'est-à-dire que vous pouvez vous l'approprier pour en faire ce que vous voulez derrière. Néanmoins, on voit que dans les conditions d'utilisation que propose la BNQ, elle réaffirme bien ce principe de la libre réutilisation, mais elle indique que si on en a un usage commercial, il faudrait d'abord leur demander l'autorisation. Alors, on ne peut que saluer la licence adoptée par la BNQ, mais je rappelle que dans le domaine public, l'usage commercial est complètement accepté, toléré. Je vous le disais tout à l'heure, on peut tout à fait, si vous le souhaitez, demain imprimer une œuvre de Molière ou de Descartes et la vendre demain, puisque dans le domaine public, il n'y a plus de monopole d'exploitation. Donc, lorsque une institution publique met le domaine public numérisé en libre diffusion, elle est garante de ce bien commun du savoir, mais la réutilisation préalable, je ne la conteste pas, hein, chaque bibliothèque a sa logique derrière, mais on comprend qu'elle n'est pas tout à fait, hein, on ne respecte pas tout à fait l'intégrité de ce qu'est le domaine public. Ça, c'est une photographie qui est sur notre portail qu'a présenté Fabrice, qui s'appelle l'Empreinte, qui est un portail patrimonial dans lequel on a numérisé énormément de photographies qui sont dans le domaine public. Nous autorisons aussi, vous voyez en bas le petit bouton, la possibilité de pouvoir télécharger et de se réapproprier. Et dans les conditions générales d'utilisation, je vous ai pris la lecture de tout cela, mais on indique très clairement que l'usage commercial est
tolérés sans autorisation préalable. C'est-à-dire que demain, si Coca-Cola, pour être un peu provocant, décide d'utiliser cette photographie pour illustrer une publicité, elle le peut puisque c'est dans le domaine public. La condition, c'est qu'il indique d'où vient cette photographie, c'est-à-dire qu'on nous source, hein, il dit bien que ça vient des médiathèques de Valence Roman Aglo, et si une publicité de Coca-Cola reprend et nous source, c'est une visibilité inespérée, mais je vous rassure, ça n'arrivera jamais, bien évidemment. Mais comprenez bien l'idée ici du respect de la garantie publique que le bien commun du savoir, ici, qui est une photographie dans le domaine public, est intégralement respecté. Mais le cas de la BNQ que j'ai présidé avant, hormis le cas de l'usage commercial et que je peux tout à fait comprendre qu'une autorité publique n'a pas forcément envie qu'on réutilise comme on l'entend, je l'entends, mais le fait qu'elle dise « non, malgré tout, vous pouvez l'utiliser et le télécharger comme vous le souhaitez », c'est déjà une garantie solide des biens communs. Je vous montre une autre photographie, ça c'est Lyon, qui a numérisé plus de 30 000, je crois, œuvres dans le domaine public. C'est Google qui a fait cette numérisation à l'époque. Ça avait fait un gros, gros débat en France hein, en disant que est-ce que Google devait numériser les collections des bibliothèques. Sauf que Google a numérisé, ça n'a pas coûté, hein, c'est une numérisation gratuite pour Lyon, mais Lyon a négocié en disant certes, vous numérisez ces documents, vous avez une exclusivité de référencement, on peut discuter de ça, mais Google a remis un fichier numérique et Lyon met en accès ces ressources sous une licence ouverte, totalement libre, telle que je vous l'ai décrite pour le cas de l'emprunt, librement réutilisable, usage commercial intégré. Donc, on pourrait dire que le privé a joué un rôle ici, on parle de partenaire privé-public commun, c'est-à-dire que c'est Google qui a numérisé le fonds patrimonial, une partie du fonds patrimonial de Lyon, mais derrière, comme ce fonds patrimonial a été reversé à la communauté de manière totalement libre, il y a là une bonne logique hein, qui va dans les communs privés-publics. Pour anecdote, hein, la BNF a numérisé un fonds patrimonial dans le domaine public par une entreprise américaine qui s'appelle ProQuest, et ProQuest a une exclusivité de 10 années pour l'accès à ces ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accéder à ce domaine public numérisé. La seule manière de le faire, c'est de passer par ProQuest. ProQuest, il faut qu'une bibliothèque paye l'accès à cette base-là. Et donc là, il y a une enclosure hein, une flagrante du domaine public. Dernier exemple, vous voyez, ça, c'est une bibliothèque qui est dans le sud de la France, qui est à Pesnas, me semble-t-il, et qui a organisé dans sa bibliothèque une exposition des grandes œuvres qui sont exposées au Met à New York. Parce que le site du Met met en accès haute définition, librement téléchargeable, toutes les œuvres du musée. La bibliothèque les a imprimées en haute définition, on a fait une exposition dans la bibliothèque et a indiqué aux gens qui venaient, si vous voulez repartir avec ces œuvres, il n'y a aucun souci. Soit vous la téléchargez tout de suite sur une clé USB, on va sur le site, vous y allez. Soit vous venez avec un papier de qualité et nous faisons l'impression de cette œuvre pour 30 centimes d'euros et vous repartez à la maison avec ça. Soit alors, c'est nous qui vous mettons à disposition l'œuvre, on l'imprime et ça aura aussi un coût. Ça, c'est typiquement une valorisation du domaine public et comment une bibliothèque du sud de la France, dans une petite ville, peut avoir une exposition digne du Met par le simple fait d'avoir accès à des communs du savoir. J'évoque rapidement, il n'y a pas que le domaine public. Hein. Toutes les ressources libres de droit sont aussi à valoriser. Zic Librambib, c'est une bibliothèque qui met en avant de la musique libre de droit en indiquant qu'on peut accéder librement à ces ressources, les télécharger, usage commercial ou non commercial selon les artistes qui est proposé. Mais c'est la bibliothèque qui valorise cette musique libre de droit. Et donc, elle fait partie de la communauté qui valorise cette ressource commune. Voilà, ça, c'est les Trois Îles de Georgette. C'est la bibliothèque Georges Brassens à Paris qui valorise aussi des œuvres libres de droit et qui, comme exposition, mise en place différents éléments. François Sagan à Paris, eux, décident de valoriser des communs du savoir de l'animation, donc des films qui sont dans le domaine public, accès, valorisation,
téléchargement, projection dans la bibliothèque et sensibilisation du public de dire « vous avez accès aujourd'hui à cela, c'est un bien qui vous appartient, c'est un bien commun ». Autre possibilité, comment une bibliothèque peut contribuer à la création des communs du savoir ? Le plus bel exemple, c'est Wikipédia. Les bibliothèques peuvent essayer d'encourager les citoyens à être des contributeurs de Wikipédia et pas simplement d'être des simples consommateurs. Et là, on parle souvent des journées contributives ou des éditatons qui sont organisées dans des bibliothèques dans lesquelles on invite la population sur un thème précis à venir enrichir l'encyclopédie Wikipédia, parfois même en utilisant les ressources numérisées de la bibliothèque qui sont dans le domaine public. C'est là-dessus, vous êtes assez exemplaire au Québec, hein, notamment à travers le travail de la BNQ, où là, on a véritablement une bibliothèque qui, à la fois, se porte garante des biens communs, actrice de la communauté de Wikipédia et qui encourage les gens à pas simplement consommer l'encyclopédie, mais à être acteurs eux-mêmes de ce commun du savoir en venant publier des articles sur cette ressource. Il y a aussi des activités comme une référence, une bibliothèque, où on incite les bibliothèques à aller enrichir l'encyclopédie. On a une expertise qu'on met au service d'un commun du savoir qui est Wikipédia. Et là aussi, vous avez été très en pointe, le Québec, là-dessus, puisqu'il y a même eu une petite compétition pour savoir quelle serait l'institution publique qui serait la plus productive. Et ce fut la BNQ qui avait remporté la mise devant l'Université de Montréal, notamment, et McGill, entre autres. Mais c'est aussi une bibliothèque qui numérise son fonds, c'est le cas de la BNQ, domaine public numérisé, et qui reverse une partie de ses ressources à Wikisource, qui va permettre d'illustrer les articles de Wikipédia grâce au fonds de la bibliothèque. La bibliothèque garantit, facilite l'accès de ce bien commun du savoir qu'est le domaine public numérisé, le met à disposition sur son portail, mais le verse aussi là où la communauté utilise le plus ses ressources, dans Wikisource, qui va nourrir Wikipédia et qui donc contribue, comme un des acteurs de cette communauté, à faire vivre ce commun du savoir. Autre exemple, les cafés du savoir qui ont eu lieu dans les différentes bibliothèques du réseau de Montréal. Là, c'était sur un autre bien commun du savoir qui est OpenStreetMap, où on encourage les gens à venir à alimenter, nourrir, préciser les différents points qu'on peut trouver sur OpenStreetMap. Et là, on a un exemple très intéressant qui était mené dans une des bibliothèques de Montréal. Je souligne pour les bibliothèques spécialisées qu'il y a un autre commun du savoir qu'elle peut aussi contribuer, porter et contribuer, c'est les sciences ouvertes, l'open access. Des bibliothèques aujourd'hui mettent en place des portails dans lesquels elles donnent accès au plus grand nombre à des articles scientifiques libres de droit, ce qui nous évite de passer par des prestataires extrêmement chers et de dire que la recherche publique, eh bien, elle est financée par l'argent public, par la communauté. Il est essentiel que les fruits de cette recherche soient mis à la disposition de toute cette communauté gratuitement ouverte et non pas derrière des murs payants tels que Elsevier, par exemple, va mettre en place. Et on a ce rôle aujourd'hui de plus en plus affirmé de bibliothèques universitaires qui veulent jouer le rôle d'incitatrice des communs du savoir auprès des chercheurs en disant c'est important que toutes vos recherches qui sont financées par l'argent public deviennent des communs du savoir pour qu'on puisse, la communauté puisse se nourrir de vos travaux sans forcément passer derrière un éditeur scientifique qui va monnayer de manière scandaleuse souvent cette ressource. C'est le cas où les chercheurs d'une université doit payer pour avoir accès à ses propres recherches publiées dans une revue scientifique dans la même université où il est. On marche un peu sur la tête. Et du coup, on a des bibliothèques qui vont faire des ateliers pour à la fois sensibiliser sur la théorie de l'open access, des sciences ouvertes et des communs du savoir, mais qui vont aussi encourager les chercheurs à déposer leurs fruits de leurs recherches, leurs articles sur des plateformes d'accès à des archives ouvertes et puis qui vont aussi accompagner le chercheur pour dire voilà, on va vous expliquer comment on peut faire, quel type de licence vous pouvez en avoir. Et là, typiquement, la bibliothèque se porte garante de la diffusion et d'une préservation des communs du savoir. Dernier élément sur cette question-là, la bibliothèque est aussi parfois productrice de contenu. Ici, c'est Balise, c'est un portail qui est porté par la BPI, la Bibliothèque publique d'information qui est à Paris. Énormément de conférences ont lieu dans cette bibliothèque. Captation vidéo,
On demande à ceux qui font la conférence s'ils sont d'accord pour qu'on diffuse leur conférence sous une licence libre de droit. La plupart acceptent et on donne accès à ce qui se passe dans la bibliothèque à travers une licence libre. Donc, je contribue au commun du savoir. Le plus bel exemple, c'est la NASA. Hein. La NASA, qui est financée par l'argent public, tout ce que produit la NASA, photographie, écrit, vidéo, émis, c'est ce qu'on voit en bas dans le petit encadré rouge, sous une licence libre de droit, ce que la communauté finance et reverse à la communauté sans un monopole d'exclusivité d'usage. On est véritablement là dans le cas d'un commun du savoir sous garantie publique. Dernier point, et j'en terminerai là-dessus, comment la bibliothèque peut être aussi le lieu où des communs du savoir sont co-gérés. C'est l'idée de dire que, au lieu de dire qu'est-ce que la communauté peut apporter à la bibliothèque, c'est comment la bibliothèque peut être au cœur d'une communauté, d'un commun du savoir et apporter sa propre touche ou d'encourager à ce que des communautés viennent chez elles pour alimenter des communs du savoir. Deux exemples. D'un côté, des revues. Il y en a de plus en plus en France, ça s'appelle des trocs de presse. Vous avez des revues, vous avez fini de les lire, vous les jetez, alors qu'il suffirait de décider que cette revue-là devient un commun et de dire je la mets dans un endroit, je la partage avec qui il veut. Là, vous avez un kiosque, les revues que vous voyez dans ce kiosque, c'est des habitants qui viennent déposer des revues et qui sont librement accessibles à tous ceux qui viennent là-dessus. On met des règles décidées par la communauté, on met des revues qui ne sont pas anciennes. Ah, je vois une question de Fabrice. C'est la règle, c'est la différence entre la ressource open access. Alors, je lis la question. Excuse-moi, oui. Lire la question. Oui. Quelle est la différence entre les ressources en open access et les communs du savoir? Et est-ce que l'open access est traduisible par accès libre? Alors, on traduit plutôt par accès ouvert. Hein, ouverture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verrou pour accéder à ces savoirs. Et il n'y a pas de différence entre l'open access ou l'accès ouvert et les communs du savoir. La seule différence, elle est subtile. Un article scientifique diffusé sous une licence libre, sous une licence ouverte, est un bien commun. Il deviendra un commun s'il y a une communauté derrière qui va veiller à ce qu'il ne soit pas réapproprié, qu'il reste bien sous une licence libre, qu'il fait en sorte qu'il soit bien enrichi. Et donc, on peut tout à fait avoir les sciences ouvertes qui soient un commun parce qu'il y a une communauté derrière qui veille à ce que ça reste tout ça bien en commun. Ça peut être des bibliothèques, ça peut être des chercheurs, ça peut être des étudiants. Donc la différence, elle est juste dans l'action collective. Je peux avoir un écrit scientifique qui est sous une licence libre, qui est un bien commun, pas d'exclusivité autour, mais il ne sera qu'un commun que s'il y a une communauté derrière qui va veiller à ce qu'on respecte bien la licence, à ce que personne ne se l'approprie, à ce que quelqu'un qui va utiliser l'article pour en faire autre chose le mette aussi sous une licence libre. Donc, on a cette subtilité entre la ressource qui est ouverte et qui est libre et la communauté qui est derrière. C'est le cas du troc de livre, troc de presse que je parlais il y a un instant. La revue, elle peut être déposée librement dans une bibliothèque, mais ce qui va faire la valeur de cette ressource qui a été libérée, c'est les règles que la communauté va mettre derrière. On ne met pas des revues trop anciennes. Si une revue ne sort pas pendant X temps, ben quelqu'un de la communauté va les jeter. Si quelqu'un prend toutes les revues tout le temps et n'amène jamais rien, ah bon, on va lui dire « toi, c'est fini, on t'exclut de la communauté ». On remet ce qui fait la force du commun. Ce n'est pas que la ressource ouverte, c'est les règles de communauté. Et lorsqu'une bibliothèque organise un éditaton autour de Wikipédia, c'est apprendre aux gens que quand je suis sous Wikipédia, je ne marque pas n'importe quoi, je mets des choses sérieuses parce qu'il y a une communauté derrière qui va me dire mais ça c'est pas jouable, donc je t'exclus, hein, tu ne peux plus venir écrire sur la communauté, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta oui. question, Fabrice. Merci. Parfait. Je t'en prie. Pour ce qui est de la grénothèque, la grénothèque, c'est pareil. Il y a des grénothèques qui se développent dans les bibliothèques. La bibliothèque dit « moi, je suis un endroit ouvert au public ». Il y a tout le monde pour rentrer dans une bibliothèque. Donc, c'est vraiment un lieu ouvert. On est un des rares lieux complètement ouverts sur un territoire. Vous avez des semences que vous voulez partager avec d'autres. La bibliothèque est le lieu dans lequel vous pouvez partager des semences.
Il faut que ces semences soient évidemment fertiles et on les libère, puisque vous savez que les laboratoires rendent stériles les semences. Hein, le paquet de graines de tomates que j'achète dans un grand magasin sont souvent stériles. Et donc, du coup, ce savoir-faire-là qui était transmis par la culture des semences est perdu. Le fait de redonner des semences fertiles et libres, ça veut donc dire que chacun peut les utiliser, chacun peut en remettre une fois qu'il a fini d'utiliser. Et pour faire ça, il faut que je sache faire. Donc, j'ai besoin d'une communauté. Et ce n'est pas forcément un bibliothécaire qui va m'apprendre à replanter des graines. D'où, on a bien besoin, lorsqu'on fait une grainothèque, d'avoir une communauté avec nous pour nous aider à établir les règles de partage de ces semences, mais pour nous aider aussi à pouvoir enrichir et à fructifier cette collection de graines. Hop, je vais essayer de passer... alors, j'ai quasi fini, mais j'ai perdu la main sur... voilà, merci. Les bibliothèques citoyennes ou libres, hein, qui sont très connues en Amérique du Nord, c'est un commun du savoir. Mais ça devient un commun du savoir si, derrière la boîte à livres que l'on met en commun, il y a une communauté qui veille à ce qu'on ne mette pas que des vieux livres, qu'on a établi des règles, c'est des livres qui ont tant d'années ou pas, que quelqu'un qui prend toujours des livres mais n'en ramène jamais. Voilà, ce qui fait la force de ça, eh bien une bibliothèque peut participer à ça. Elle peut mettre une boîte à livres, mais souvent, sur son territoire, il y a plein de boîtes à livres déjà. Eh bien, elle ne va pas réinventer l'eau chaude. Ce qu'il faut faire, c'est que, admettons qu'elle fait un désherbage, des ouvrages dont elle se sépare, eh bien, elle décide, au lieu de les jeter, de les mettre dans des boîtes à livres, mais quelles règles il y a derrière, et donc elle devient un élément de la communauté qui fait vivre un commun du savoir. Et puis, vous les connaissez très bien, c'est toute la nébuleuse des labs, les Fab Labs, les Makerspace, etc., qui sont des communs du savoir, un lieu, une communauté, des ressources libres et partagées, des savoirs qui sont documentés, et on est typiquement dans un cadre qui est un commun du savoir. Mais ce n'est pas la bibliothèque qui établit les règles dans l'espace, c'est la communauté qui décide ensemble des règles qui vont organiser cet espace. Et c'est souvent là où on voit qu'il y a des Fab Labs qui sont dans des bibliothèques dont les règles ont été décidées par la bibliothèque. Alors, je sais que ce n'est pas simple, mais si on établit des règles, il faut la faire avec la communauté potentielle et on réfléchit avec eux. Et donc, c'est la question de la participation qui est posée. Voilà. Quand Marie Martel, que vous connaissez tous très bien au Québec, définit ce qu'est un tiers-lieu de connaissance, comme on l'a ici, eh bien, on retrouve bien ce qui caractérise pratiquement les communs du savoir. Être, non pas être consommateur, mais être acteur, mettre en valeur des savoirs, accès libre, pas hiérarchie, licence ouverte. On est typiquement dans ce qui fait un commun du savoir, des ressources, une communauté, une gouvernance partagée. L'espace 3C de Montréal est un début de commun du savoir. C'est un espace mis à la disposition d'une communauté et c'est eux qui décident à l'intérieur de comment on va utiliser l'espace. Alors, un jour, c'est une salle de travail, un jour, c'est une salle où il y a un cours qui est donné par quelqu'un, etc. On est typiquement dans ces logiques de la bibliothèque qui joue un rôle, de commun du savoir. Et les ruches d'art, que vous connaissez aussi très bien, c'est la même chose. C'est la communauté qui fait vivre cette ruche d'art, le partage des loisirs créatifs. La bibliothèque peut amener du matériel dans un premier temps, des pelotes de laine. Et puis, quand il n'y a plus de pelotes de laine, ce n'est pas la bibliothèque qui remet de la matière, mais on dit que la règle, c'est celui qui finit une pelote de laine, ben, il ramène une autre pelote de laine. Et si la communauté ne joue pas le jeu, eh bien, il n'y a plus rien de disponible. Et donc, c'est un commun du savoir qui ne fonctionne pas. La bibliothèque peut relancer, mais elle n'est pas l'élément moteur de cet élément-là. Donc, du coup, ce que je défends, c'est de dire que si les bibliothèques ne sont pas des communs du savoir, elles peuvent être des maisons des communs du savoir dans lesquelles on incite, on préserve, on donne accès, on encourage les gens à enrichir des communs. On est le lieu où des communs du savoir sont co-gérés et on est vraiment cette idée de maison de proximité des communs du savoir. Ce n'est pas que cela, mais c'est en partie cela. Hop, j'en ai presque terminé. Voilà, c'est la couverture de l'ouvrage, ce n'est pas de l'autopromotion, mais c'est pour vous encourager à regarder cette livre qui va bien plus loin que ce que je viens de vous présenter et qui reprend grosso modo à travers les trois axes que je vous ai dit, préserver, valoriser, contribuer et encourager une co-gestion des communs à travers des murs des bibliothèques. Ce qui est certain, c'est que la notion est encore un peu nouvelle. On a un peu de mal, des fois, à bien saisir cette notion-là. Et ce qu'il faut savoir,
c'est qu'il y ait une nouvelle grille de lecture qui nous est proposée pour les bibliothèques. Et j'y vois, moi, ici, un formidable moyen de revitaliser les bibliothèques et leur mission, et de leur redonner du sens, et de dire qu'elles sont garantes du partage des savoirs, de l'accès du savoir et de leur appropriation. Et c'est bien pour cela que les bibliothèques existent, et depuis maintenant des siècles. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Lionel. C'était vraiment fort complet et riche en exemples qui nous parlent, évidemment, par rapport aux réalités québécoises et françaises. Il y a une collégialité à développer, évidemment, entre les milieux des différentes formes d'institutions et d'acteurs, que ce soit les bibliothécaires ou les médiathécaires, comme tu l'es également, si je comprends bien. Puis tu me disais que l'empreinte permettait aussi une contribution active des gens de la oui. communauté pour enrichir les documents qui fournissent donc, c'est ça, on encourage la population à nous faire on lance un thème qui va être les travaux des champs en été, et on demande aux gens qui ont des photographies anciennes de ces travaux des champs de à la fois nous les proposer, on les numérise, on les met sous des licences libres avec l'accord, et on restitue à ces gens-là le fonds numérisé. Et donc, du coup, la bibliothèque, elle essaie de capter une mémoire d'un territoire. Et la mémoire, hein, c'est un commun immatériel et qui est nécessaire de préserver. En aucun cas, on enferme ce savoir-là derrière un mur, qu'il faudrait être abonné à la bibliothèque pour avoir accès à ça, ou d'avoir même un abonnement payant. Mais non, on reverse ça à la collectivité, puisque c'est elle qui a financé ce travail-là, puisqu'on vit de l'argent public. Effectivement, je remonte à l'image de l'empreinte, l'histoire de Drôme et d'Ardèche. Donc, c'est ancré dans le territoire et les personnes ont été consultées même pour la constitution de la démarche, finalement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une communauté d'être actrice d'un bien si on ne réfléchit pas avec elle dès le départ. Et donc, on a réfléchi avec elle dès le départ et on a réfléchi aux règles qu'on mettra en place dessus. Donc, on n'a pas décidé tout seul. On a essayé de jouer la logique des communs du savoir. Donc, les personnes sont interpellées d'autant plus qu'elles sont sollicité dès le départ, et puis c'est une responsabilisation, si je comprends bien, des citoyens dans la création de leur patrimoine d'une manière qui est assez dynamique, puisqu'il y a toujours une évolution de l'interface et des contenus en fonction des usages. Probablement que ça va oui. grandir comme un organisme vivant, presque. C'est exactement ça, et c'est le pari hein, qui n'est pas gagné. Hein. C'est-à-dire qu'un commun du savoir, je vous l'ai dit, ne marche que parce qu'il y a une action collective. Donc, s'il n'y a pas une action collective derrière le portail, c'est un portail qui va peu vivre. Donc, on a, pour aller vite derrière l'empreinte, hein, c'est du patrimoine, mais il y a les habitants, il y a les amateurs éclairés, il y a les chercheurs scientifiques. Et là, ce que tu montres notamment, qui sont des dossiers et des articles, ce n'est pas nous qui les avons produits, ce sont souvent des amateurs éclairés ou des scientifiques. Voilà. Donc, on est véritablement là dans l'idée de dire. On ne s'est pas contenté de numériser le domaine public et d'en donner accès, mais on a voulu en faire un outil de partage de ce savoir. Voilà. Wow, c'est superbe. Alors vraiment, ça doit de quoi nous inspirer. Puis il y a aussi des choses plus modestes qui se font avec les écoles. Dans mon cas, c'est une école alternative et on appelle ça un club de lecture. Et la bibliothécaire a mis en place des trousses sur des thèmes qui seront l'objet de délibération, comme l'alternatif à la maison ou la démocratie à l'école. Et donc, sur des questions comme la pédagogie Freinet, on s'informe en tant que parent et partager nos connaissances avec les autres membres de la communauté et même plus largement construire un portail sous forme de forum ou de blog ou de page Wikipédia pour en construire un savoir commun. Voilà. Okay. Alors, on va pouvoir continuer les webinaires la semaine prochaine. Merci infiniment encore une fois, Lionel. Merci à tous les participants d'avoir été présents jusqu'à la fin. Même si on a dépassé l'heure de 5 minutes, je vous remercie de votre patience, mais c'était trop intéressant. Et puis, les autres webinaires, je vous mentionne celui qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui en particulier, mais vous allez voir, il y en a d'autres. C'est la participation des usagers avec Julien Prost, qui est aussi engagé dans une compréhension de l'importance d'impliquer les participants dans les abeilles noétiques, comme dirait, je pense que c'est
comment il s'appelle déjà, peux-tu me rappeler, celui qui a formé la communauté en France. Ça s'appelle, c'est en rapport avec l'industrie, Industrialis. Est-ce que tu connais le penseur d'Industrialis en non, France? Non, je ne vois pas ce dont tu me parles. D'accord. Bon, je vais vous communiquer ça moi-même sur le forum, parce qu'après, vous avez envoyé le lien et le PDF et l'enregistrement, donc va être téléchargeable par le lien. De toute façon, on va le rendre public, le vidéo, cette fois-ci, puisque tu l'as demandé, pour qu'on respecte l'esprit des savoirs communs, oui. Des communs du savoir, et pour y le partager à nouveau. Donc, merci d'avoir posé des questions. Mais et en fait, vous pouvez vous creuser un peu la tête pour nous poser des questions, même si c'était très clair. Et on les enverra à Lionel pour les deux prochaines semaines. On fera le relais pour qu'il puisse y répondre. Avec plaisir. Autrement, ben, c'est ça, il y a la formation sur le roman policier qui est un événement important le 15 octobre en présence cette fois. C'est une journée d'études et de formation. Et puis, innover en communication le 17 octobre. Et avant ça, même mieux utiliser WebDoui pour cataloguer les documents avec les fonctionnalités de ce dispositif fondé sur une base de données. Donc voilà, c'est toujours important de se mettre au courant de ce qui évolue et ça change sans arrêt. C'est ce que nous verrons au CPI cette année, comme vous le savez. Donc, tenez-vous au courant et puis posez vos questions. Alors, à la prochaine et puis activement, je vous invite à participer activement au forum dont je vais vous envoyer le lien après le webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.